Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de la Coupe du Monde en 90 secondes. Les quarts de finale sont là, les gars. Ça y est, les quarts de finale commencent aujourd'hui. En plus, on est chaud, on est très très bien avec un petit peu de Brésil, un petit peu d'Argentine, un peu de Pays-Bas, un peu de Croatie. Ça va être absolument magnifique. Voilà. Aujourd'hui, par contre, les amis, c'est très très important. Des fortunes ne seront pas créées. Par contre, des pertes de bif énormes vont arriver, d'accord? Je m'adresse à toi, petit champion du monde, le mec qui a parié sur un match avec une cote à 1,12 et qui se dit c'est bon, j'ai craqué le game, j'ai compris. Pas du tout, pas du tout, d'accord? Les quarts de finale, c'est pas touche, on n'y touche pas, tu te poses devant ta télé, doigt de pied en éventail, pépouze tranquillement, on est bien, d'accord? Je vais faire un petit retour juste sur ces petites cotes pré-match qui sont pas dégueulasses et qui sont pas délirantes côté Pays-Bas, Argentine, d'accord? Je vérifie juste mes petites notes. La cote de l'Argentine qui a un petit peu plus de 2, d'accord, de 15, de 20, de 30, ça dépend un peu des bookmakers. On est sur un truc relativement raisonnable, d'accord. Bon, voilà, les Pays-Bas, c'est pas aussi facile à péter que d'autres micro-équipes. Normalement, ça devrait passer, mais bon, sait-on jamais. Par contre, le Brésil, les amis, le Brésil a une cote à 1,30, moins que ça, même sur certains bookmakers, Unibet, Betclic et j'en passe, c'est des meilleurs. On fait super, super attention. C'est pas parce que ils ont tapé les petits Coréens juste avant que normalement, ça va être facile et ça va glisser, d'accord? Ne faites pas de pré-match. Arrêtez un petit peu vos conneries. Regardez les matchs. Profitez tranquille. On en parle demain. Faites de l'oseille.